Et bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de récupérer mon avion que j'avais laissé s'envoler dans les cieux la dernière fois qu'on avait fait une cascade dans Scramp Mécanique. Donc j'ai donc essayé de le récupérer, j'ai beaucoup ragé parce que je me suis raté à beaucoup de reprises. J'ai utilisé premièrement un avion, ensuite là un vaisseau du workshop où je suis tombé comme un débutant de l'avion lorsque j'ai voulu arriver dessus. Lors de la troisième tentative qu'on peut voir ici, j'ai essayé de passer par-dessus, mais ça n'a pas marché non plus. À chaque fois, je me suis raté. C'est pourquoi j'ai essayé d'utiliser un vaisseau que j'avais déjà créé. C'était un très gros vaisseau que j'avais créé avant. Et je me suis rappelé que ce vaisseau-là était très très stable en fait. J'avais fait en sorte que, en plus, il peut se piloter à deux. Quelqu'un qui stabilise, quelqu'un qui dirige l'avion, enfin le vaisseau, pardon. Et donc, du coup, avec ce vaisseau-là, j'ai essayé de récupérer l'avion. C'était une chose assez difficile à faire. Je me suis mis aussi par moment en caméra intérieure pour voir ce que ça faisait, mais bon, c'est pas non plus ultra. Et j'ai réussi à me poser sous l'avion. C'était génial. C'est comme si on avait un vaisseau qui essaie de tracter l'avion. En tout cas, j'ai réussi à me coincer sous l'aileron gauche. Et donc, du coup, à partir de là, à créer un pont depuis la porte de mon vaisseau jusqu'à l'avion pour pouvoir atteindre le poste de commande. Je voulais absolument faire descendre l'avion pour finaliser quoi. Enfin, voilà. Je fais une cascade et après je range tout en quelque sorte. C'est pour qu'il y ait une certaine continuité et j'ai réussi à le poser. Et dès que j'ai réussi à le poser, bien sûr, je l'ai directement supprimé histoire de terminer tout ça. Sinon, bon, bah, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si en ce moment il n'y a pas trop de contenu, c'est tout bêtement parce que je travaille sur quelque chose de bien plus gros à vous présenter dans les jours qui suivent sur Minecraft cette fois-ci. Et j'essaye aussi de préparer des vidéos sur d'autres jeux vidéo. C'est pourquoi il n'y a pas trop de contenu en ce moment. Sinon, je vous dis ciao. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à vous abonner aussi, c'est important. Et puis on se dit à dans une prochaine vidéo.